question qui se pose, c'est que quelqu'un veut nous entraîner dans la guerre. Quel autre peuple européen est d'accord avec ça? Il n'y a aucun consensus et nombre de dirigeants européens se sont élevés et sont totalement effarés par la prise de position du président français, dont on a l'impression qu'il est en permanence sous certaines substances psychotropes. Il devrait arrêter avec ça. C'est manifestement dangereux. Cet homme n'est pas fait pour diriger la France. Il nous entraîne vers des dérives et vers la guerre. C'est pas lui qui fera la guerre. Ce sont nos enfants. Il faut que les Français... À la limite, certains pourront dire « Bon, c'est simplement... Il avait peut-être un petit peu trop bu, ou il s'était peut-être injecté une substance... » Parce que tout le monde ne parle que de ça. Donc autant le dire. Tout le monde le dit en France que M. Macron est addict à la cocaïne. Alors c'est vrai, c'est pas vrai, je n'en sais rien. Mais c'est un fait que tout le monde ne parle que de ça. La question qui se pose, c'est que ça se traduit aussi par ses actions en matière internationale et ses actions complètement délirantes.